Coucou à tous les amis, coucou, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo les amis. Aujourd'hui, aujourd'hui les pains, on va les ramener à une ferme. Ouais, on va ramener les pains une ferme. Parce qu'ils font que faire caca et on fait que laver la terrasse. Ouais, ils font caca partout, tout ça. Ouais. Il faut plus de terrain, il faut un endroit pas... Ici, c'est pas adapté pour les pains, tout ça. Et on n'a pas de fer, on n'a rien, nous on a... Oui, on n'a pas de ferme. Donc, les pains, ils vont partir dans une ferme. Et si un jour, on a une maison avec un plus grand jardin, un espace pour eux, tout ça, on pourra les récupérer. Voilà. Un an ou dans deux ans. Mais en fait, on aurait une grande maison avec un grand jardin et une piscine. Inch'Allah. Donc, on pourrait les reprendre. Non, parce que regarde, ça, c'est une grande maison avec un grand jardin et une piscine. Mais c'est pas adapté. Voilà, les petits animaux comme ça, c'est pour la ferme, etc., etc. Là, si vous voyez l'état de la terrasse, c'est trop. Et encore, la femme de ménage, elle est venue il y a deux jours, je vais vous montrer. Elle est venue il y a deux jours, elle a lavé là. Regardez, là, il est là. Regardez, là, on ne se rend pas même compte à la caméra. Partout. Franchement, c'est catastrophique, il monte même sur mon tapis de course, et regardez. Et ça, c'est partout, sur toute la terrasse, là. Donc, j'attends qu'ils partent pour passer le karcher. Mais voilà, c'est... Comme j'ai dit à maman, j'ai dit, on loue pas une maison comme ça pour que la terrasse soit dans cet état-là. Voilà. Et surtout, en plus, pour les vidéos, si... Mince, là, je suis tout noir. Pour les vidéos, si chaque fois, c'est comme ça par terre, le jardin, il est joli. Ça, c'est pas joli. Enfin, voilà. Bon, maman, elle a préparé le petit repas. Elle a préparé du riz avec du safran, les petites carottes avec la viande hachée, une salade. Ça, c'est les concombres, je crois. Concombre ou les courgettes. Les courgettes, ouais. Et voilà, hein. Demain, je réserve une petite surprise pour les filles, les amis. On a trop hâte. Ouais, on verra demain. Demain, on va partir pour toute la journée, Inch'Allah, ou une partie de la journée, une grande partie de la journée. Et je réserve une petite... tu sais rien du tout. Voilà, je réserve une petite surprise pour les filles et pour maman aussi, pour tout le monde. On va passer une petite journée en famille. Et voilà, et là cet après-midi, on va partir à la ferme pour amener les pains. C'est une ferme où ils ont déjà des pains. Et voilà, après on doit aller acheter un maillot pour Masmas. Et qu'est-ce qu'on doit faire aussi? On doit... Peut-être on t'en achètera un toi aussi, mais toi t'en as... Et on doit aussi passer à l'appartement parce qu'ils doivent venir livrer le dernier meuble. C'est un petit meuble. La dernière fois, quand ils ont fait la livraison, il y avait un morceau qui était cassé. Donc, ils l'ont repris avec. Et là, ils livrent le dernier meuble. Voilà. Et ils vont le monter aussi. Et aussi... Regardez, Vaiana. La dernière fois... Le vent là qu'il y avait, c'était horrible. Ah, voilà, tout ça pour ça. Ouais, la dernière vidéo que vous avez vue, là, il y avait la tempête avec le vent. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Allez, bon appétit. Bon, les amis, c'est l'heure d'attraper les pains. Oui, les amis, c'est triste. Eh oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, ils seront mieux qu'ici. En plus, ils seront dans une ferme. Il y a un petit garçon qui a l'âge de Massilia, qui est fan des pains. Oui. Il en a déjà là-bas, donc, oui. Donc voilà. De toute façon, maman, il est gentil, on vous l'a dit juste avant. Si un jour, on veut les récupérer, on pourra les récupérer. Oui, c'est ça. J'ai déjà parlé avec eux. La dame, Asma, elle a déjà... gratuit, mais j'ai dit le jour où je... Où elle veut les récupérer, elle peut les récupérer. Voilà. Pas de soucis, tout ça, ils sont gentils. Inch'Allah, on les récupère pas. Il y en a qui m'ont demandé une question dans les commentaires. Lorsque je suis partie à Tanger te rejoindre, les ponts, ils étaient où? J'ai répondu dans les commentaires. Répondu. Oui, j'ai répondu. Ouais, parce ils étaient là et le gardien s'est occupé d'eux et leur a donné à manger. Voilà, mais de toute façon, tu es venu quoi? Deux jours. Mais on va pas les laisser sans boire et manger, c'est sûr et certain. C'est pas maman qui veut les vendre, en tout cas.
C'est papa. Qui C'est papa. Ouais, ils font caca partout. Mais oui, les amis, ils font caca partout. Si vous voyez l'état de la terrasse, là où ils dorment en haut, regardez, la femme de ménage, elle a nettoyé ça. Là, c'est rien. Mais ça, c'est en l'espace de une nuit. Et encore, la terrasse là-haut, c'est rempli, regardez. Il y en a sur le mur là-bas. C'est pas notre maison, tout ça, franchement. Voilà, moi, je suis pas d'accord. Les animaux, oui, c'est bien, mais c'est du travail en plus. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir du travail en plus et de faire ça. Ouais, regardez, c'est maman qui nettoie, regardez. Oui, mais ça, c'est normal. Ouais, mais c'est normal, mais oui, regardez, il y a les gens qui arrivent, regardez. Voilà. C'est ça, ça c'est bien, regardez, écrasé par terre, c'est ça. On est où là? On est dans un poulailler? Non. C'est qui vient chez nous les amener, les parents? Mais même, pour les vidéos, pour les tout vidéos, ça. Voilà, moi j'aime bien que les choses elles soient propres, elles soient là, t'arrives chez toi, il y a du caca, on sort là-bas à la terrasse, il y a du caca partout parce que le matin ils se mettent là-bas parce que c'est à l'ombre, donc non c'est trop. C'est bon, ils vont partir. Moi j'aime les animaux mais chez les autres ou dans la nature, ça a rien à faire dans une maison les animaux pour moi, à part... Les chats, les chiens. C'est magnifique. Oui, si vous avez un grand terrain, mais là c'est. Voilà. En fait, aussi c'est pareil pour les tortues. Alors pour les tortues, non, franchement. C'est les tortues. Non. C'est comme ça. Ah, non. Ben c'est les siennes. Ben dis-le leur à eux, moi ça me dérange pas, moi les tortues. C'est pareil aussi, ils font des caca partout, les tortues. Voilà, maman elle veut se venger avec les tortues. Alors que les tortues elles font leur vie. On n'a pas besoin de leur donner à manger. Elles mangent l'herbe et les plantes qu'il y a dans le jardin. Ils mangent avec les ponts. Ils viennent dans le bac où ils mangent les ponts, ils sont là. Non, donc voilà. Ben bref, on n'est pas d'accord avec maman. Mais d'elle-même, même papy et mamie ils sont d'accord avec moi. D'elle-même, elle a dit oui, c'est bon, ils vont partir parce que c'est trop. Elle-même, elle l'avoue pas, elle veut pas le dire là, elle me fait passer pour celui qui veut plus les pans, mais elle-même, elle a dit ouais, c'est trop. Il y a trop de caca partout. C'est pas vrai. Dis wallah. Je peux pas jurer. Ah voilà, tu peux pas jurer, pourquoi? Parce que j'ai raison. Parce que voilà, vous savez les amis. Bon allez, c'est parti. Elle aime beaucoup les pains. Ouais, elle aime beaucoup les pains. Et elle dit que c'est son bonheur. Ouais, c'est son bonheur, ouais. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis. C'est pas un bonheur. Bon allez, c'est parti les amis. Attrape de pain. Ah ouais, ça va être une galère. Hein. Ça va être une vraie galère. Allez, mets-toi de ce côté, ne laisse pas passer. Oh mon bébé, viens mon chéri. Allez. Allez, viens, on va l'attraper ici. Vas-y, rentre là. Ah, Asma, franchement, si tu fais comme ça, on va jamais y arriver. Il faut courir, il faut lui sauter dessus. Ah, sauter dessus? Mais bien sûr, tu veux l'attraper comment? C'est un dessin animé. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez faire avec une qui... Elle est aussi rapide qu'une tortue. Comment vous voulez qu'on attrape un pan avec une grande tortue? Eh oui, maman, il ne manque que la carapace, une tortue. Arrêtez. Elle a dit arrêter. Ce sera difficile pour les attraper. Ben oui, ça va être difficile. On va jamais réussir. Mais si, on va y arriver. Bon, les amis, maman, elle a attrapé le mâle. Elle l'a attrapé, après moi je l'ai aidé. Elle est là, Asma. Tu l'as pas vue? Ah. Et là, elle, franchement, le problème, c'est que elle a pas de plume à l'arrière, tout ça, pour l'attraper, elle, ça va être une grande galère. En plus, elle est très, très, très maligne. Lui, il est calme, il est gentil, mais alors, elle, c'est elle la catastrophe. Ouais, il faut que j'éteigne la caméra pour l'attraper. Allez, c'est parti, les amis. Ça y est, les amis, regardez. C'est maman qui a attrapé les deux. Ouais, comment tu veux faire rentrer ça? Hop. Le pauvre, voilà. Oh là là, ouais. Quand je l'ai attrapé, les amis, j'ai enlevé des plumes. Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Elle l'a attrapé par les grandes plumes. Ouais, parce qu'il voulait sauter dessus, ouais, ça, sinon en fait, il part. Il a sauté et il était par-dessus ça. Et maman, ouais, elle l'a attrapé. Je transpire la tête. Ouais, moi aussi, j'ai transpiré parce que même je l'ai ma chauffe-l'eau, carrément. Je te promets. Voilà, allez, asseyez-vous les filles, mettez votre ceinture. Ouais, allez, mets ta ceinture, ma chérie. Allez les amis, on est sur la route. Les pans, ils sont derrière dans le coffre. Les filles, dès qu'ils bougent, elles ont peur. Elles sont là. Ah, c'est la panique.
peur qu'ils nous sautent dessus. Ouais, c'est vrai, ouais. Oh, s'ils sautent, ouais, il faut être courageuse. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur route des ouais. Bon, les amis, nous voilà de retour à la maison. Il n'y a plus de pain là-haut. Ah, il y a la lumière qui s'éteint, ouais. En principe, ils se mettent là-haut. Il y a la queue qui dépasse. Là, il n'y a plus rien. Et tu es content? Maman, elle est triste. Bien sûr, je suis triste. Tous les soirs, ils sont là, mignons. Ah, tous les soirs, ils sont là, mignons, ouais. Et le matin, ils te font des beaux cadeaux. Ouais, mais ils sont gentils. Ils sont très, j'ai pas, très gentils. J'ai pas dit qu'ils étaient méchants. Mais là, ils sont dans un endroit bien. Ouais, je vais partir. Ils sont dans un endroit bien, tout ça, etc. Et voilà. C'est mieux. Ah, il faut que j'ouvre. Ben oui, je peux pas. Eh oui, parce que madame, jamais elle sort les clés de ses poches. Ou de son sac. Vous avez les courses que j'ai. Ouais, mais d'habitude, oui. La dame, elle nous a donné de la ferme, disons. Ouais, la dame, elle était très, très, très gentille. Oui, elle nous a fait du thé. On a bu le thé là-bas et tout, etc. C'est pour ça qu'on arrive aussi tard. Cam est dormi dans la voiture. Et voilà, mais ils seront bien là-bas, ils sont avec d'autres pans, avec des poules, dans un endroit aussi qui a 4000 mètres carrés. Donc ils seront très très bien. Allez, ah, les bébés de maman. C'est dur. Ouais. Bon, ah, voilà, bah, c'est dommage, on avait fait un beau vlog quand on était allé chercher les pans. Ouais. On était contents. Et là, les pans, ils sont plus là. Les pauvres. Les pauvres. Non, ils vont être bien, franchement, c'est pas. Les yeux que nous a la dame nous a découvert ça, les amis. Elle nous a fait découvrir ça. Découvrir ça. En fait, vous avez une dose pour une théière. Enfin, si la théière elle est vraiment grande, vous en mettez deux. C'est pas le même celui-là. Ouais, c'est mélangé en fait. Je sais pas. Non, on peut-être que c'est juste le packaging. Je sais pas, parce que normalement le carton il y a ça, ce verre là. Ouais, et est-ce dedans qu'il était bien scellé? Il y en a 50 dedans normalement. Mm-hmm. Vous payez 45 dirhams, ouais, les 50 doses. Ouais, ben compte-les pour voir, vérifier. 1, 2. Je peux le faire si vous voulez. Non, je rigole, je rigole. J'embête maman. Parce que moi, dis, c'est de ta faute pour les pans, tout ça. C'est alors ça, c'est alors ça, que quoi. C'est pas de ma faute. Alors je l'embête. Non, je râle pas. Je fais des réflexions. D'accord. Ce que madame a l'habitude de faire, des réflexions. Vous aimez bien faire des réflexions, les madames. Voilà, alors moi je faisais des réflexions. Normalement, une dame, elle aime la propreté. Donc moi je voulais que ma terrasse soit propre. Je dis da, Zouina. Tu veux la ferme, tu veux la campagne, les animaux, oui. C'était ça. Mais moi j'aime la nature, tout ça. Mais dans un truc comme ça, dites-nous en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec papa ou d'accord avec maman? Ils sont d'accord avec moi. Ouais, je sais que vous aimez beaucoup maman, donc vous allez donner. Non, mais c'est vrai, on a, vous avez une belle terrasse comme ça, etc. Et non, bah voilà, bref, on ne va pas répéter ça. C'est bon, c'est fait. Voilà, on passe à autre chose. Et voilà. Ah, comme quand mes comptes. S'il n'y a pas 50, il faut repartir voir le monsieur. Alors, le thé, c'est le 411. Ici, ils disent le 411. Voilà. C'est 411. Hein? Ouais, c'est 411. On dit le 411, mais en fait, c'est 411. Ah, oh, moi, j'ai cru que c'était 411. C'est 4011, exactement. Hein? Mais c'est 411. Ben oui, mais ils disent 411. Comme Cam assis sur la poubelle. Regardez la tête. Ça se voit qu'elle vient de se réveiller, la pauvre. Miskina. Ils sont les ponts. T'es triste pour les pans, t'en as compté combien? Ben je m'en souviens plus du nom. Oh Starchallah. Alors toi on peut vraiment pas compter sur toi. Ça m'arrive. Tu sais comment tu fais pour te souvenir? Tu fais des tas de 5 ou des tas de 10. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme Camus. Voilà. Bon allez, on va la laisser compter, on va voir s'il y en a 50. Regardez, elle nous a donné des œufs. Et il y a une croix. Il y en a un, celui-là. Celui-là, il est suspect. Va faire un scénario avec celui-là. Il faut faire un deck, parce que celui-là, regarde, une croix en bas, une croix en dessous. Celui-là, il m'inspire pas confiance. Celui-là, non, on rigole. Mais c'est les bons œufs, ça, c'est les meilleurs. Les blancs comme ça. Oui. Ce sud de la France, moi, que ça me. Subhanallah, ça me choque. Ouais, que tu trouves une blanche grande.
Il y a deux dedans, deux jaunes dedans. Ah non, ouais, on n'a c'est pas vrai son que... nom, j'ai jamais vu ça. Ouais, mais c'est rare quand tu l'achètes en supermarché. Il quand... y a pas au supermarché. Ouais, mais quand tu prends les œufs de la ferme, les vrais œufs, pas automatiquement de la ferme, c'est non, la par exemple. C'est la copine de ta maman qui nous donne avant. Ouais. Marie-France. C'est des poules, ceux qui ont des poules, tout ça, ça peut arriver qu'il y ait deux jaunes ouais. de... Et c'est trop des jumeaux. Bon. Des jumeaux, ouais. ouais. Eh oui. 37, 39, 40, 41, oui, il y en a plus que 50, 42, 43, 44, 45, 46, 47, je vais recompter les amis, 48, 49, 50, il y en a plus que 50, c'est pas normal. Non, c'est pas normal sa boîte, même moi je veux celui-là. Non, je ouais. veux pas ça. Ça il faut que pas. Tu remettes tout dedans, tu lui ramènes. Parce que regarde. 57. Ah si, si, c'est la même chose. 50. Sauf que c'est écrit en arabe en fait, non? Non, c'est que juste ça, c'est couleur différente. Mais... Charla. Il y en a 58. Charla et là. El Bahia. El Bahia. Ouais, c'est différent. Mais en fait, c'est les plantations. Elles sont différentes, je pense. Je vais demander à la dame. Il y en a 58. 58, c'est bizarre. Et ouais, t'as payé combien? C'est marqué 50, 45. Non. 45 dirhams pour 50. Ça ouais. fait même pas 1 dirham le thé. Bon, sans compter le sucre non, et le... Non, 58, c'est trop le bah ben, en fait, là, c'est une boîte de charlot. Je vais recompter ouais, dans les amis. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je vais on va recompter les amis. Allez. Bon, je viens de recompter les amis. Mince, elle avait tout juste 58. Voilà. Elle a bien compté. Je suis pas bête. Ouais, c'est bizarre. Hein. On n'a pas dit que t'étais bête, même ça peut arriver que tu te trompes. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce que tu te trompes que t'es bête. Hein. Et c'est bizarre parce qu'il y a marqué 50 sur la boîte. Enfin, voilà. Sinon, maman, elle a pris des yaourts pour les filles. Hein. Et demain, je réserve une petite surprise attends. Pour les filles. Pardon, t'as oublié quelque chose chez eux? Moi? Je sais pas qu'est-ce que t'as oublié, ouais. Attends. Moi, j'ai oublié quelque chose chez eux? Ouais. Bon, les amis, on est sortis. Maman, elle a changé le thé. Et là, ma maman s'est liée un petit peu avant de dormir. Cam-Cam, elle dort déjà. Elle était fatiguée. Ouais, hyper fatiguée. Et voilà, on a mangé. Et maman, elle est en dépression. Elle est partie au lit. Et regardez ce qu'on a acheté la dernière fois. Avec le petit ballon de basket, je sais pas où il est. On le testera... Dans la semaine, là, dans la piscine, ouais. On fera peut-être petite partie de basket. Oui. Bon, sinon, les amis, on espère que ce vlog vous a plu. On se donne rendez-vous dans le prochain vlog. Papa va faire une surprise pour les filles. On va aller dans un endroit sympa. Ça va changer un petit peu. Et voilà. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.